parce que le secteur financier africain ne cesse de se professionnaliser, de se complexifier, de se digitaliser, et que l'indicateur qu'on prenait jusqu'à présent en compte, qui était la taille des banques, nous semblait plus suffisant pour analyser et comprendre le secteur. Il nous fallait un outil plus adapté, plus sophistiqué et plus pertinent. Nous avons voulu simplement comparer ce qui était comparable et regrouper dans un classement les groupes consolidés panafricains pour faire un classement des champions continentaux et puis de l'autre côté les entités nationales pour faire un classement des champions nationaux. Nous avons consulté des experts, des banquiers, on a regardé ce qui se faisait ailleurs, notamment chez les agences de notation financière. Et puis, avec notre équipe data, on a réfléchi, on a fait des expériences, on a tâtonné. Et au final, on a choisi de sélectionner 5 dimensions qui sont la solvabilité, la liquidité, la rentabilité, la qualité du portefeuille de crédit et la taille. Et on espère avoir, à travers ces 5 dimensions, construit un indice qui soit pertinent et utile pour les acteurs du secteur.